Good morning, Aleidan et Sus, aujourd'hui le Nishmat Machlouf, Micha ben Masouda, Nachman Yosef ben Nachum Abraham, Chayn Robe ben Fortuna Mazaldov, ben Yehudit, Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maserhet Tamid Perek Aleph, Mishnah Dalet, une Mishnah longue, on ne va pas la lire d'un coup, on va lire le premier morceau d'abord. Mishazachalit Rom et Amisbeach, Huit Rom et Amisbeach, Vem Omrim lo Hizaher, Shema Tiga Bakeli. Pour rappel, on a donc les Kohanim se sont levés le matin, ils ont tiré au sort celui qui allait faire la tombate des chênes, ils sont ensuite sortis du Beth Hamoked, ils ont fait le tour de la Hazara pour amasser tous les différents ustensiles, ils se sont donné rendez-vous dans la Lishkat Osei Chavitin, ceux qui allaient préparer les pains, les 12 pains du Kohen Gadol, qui devait apporter tous les jours sur le Mizbeach, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Et donc maintenant, on allait commencer à procéder à la Tourmat Adeshen. Le coup d'envoi des Avodot du Beth Amikdash. Le coup d'envoi, ça va être le but, c'est d'aboutir en fait, de monter sur le Kevesh, de prendre avec une pelle, comme ce qu'on va découvrir dans quelques secondes, avec une pelle de prendre des cendres qui étaient en train de brûler sur le tapouar, et le faire descendre du Kevesh, et puis le poser, l'entreposer par terre, à cet endroit-là précisément. Je vais marquer ici en petites lettres, Makom Adeshen recherché dans votre brochure. On va en parler dans quelques secondes encore aussi de la brochure. Et donc maintenant, on commence tout d'abord comme ça. La Mishnah nous raconte. Mishe Zachal Itrom et Amisbeach. Celui qui a eu, donc, le mérite de recevoir, de gagner au tirage au sort, le droit de lever de l'itrom et amisbeach, de ramasser les cendres du misbeach, de faire le premier avoda, ou itrom et amisbeach, eh bien, c'est lui qui le fera, tout seul. Vem omrim lo, et eux lui disent, ceux qui sont avec lui en ce moment, le responsable et les autres kohanim qui sont tous là, Isaer, fais attention, shema tiga bikli. Peut-être que tu risques de t'oublier de toucher le kli, l'ustensile, la pelle en fait, avant que tu vas te laver les mains, que tu vas faire l'oblation des mains et des pieds du kior. Du kior, c'était. Le kior aujourd'hui c'est un évier, mais c'était le robinet en fait du Beth Amikdash. On va voir avec les photos dans quelques secondes aussi. Et on le mettait aussi en garde, on lui disait, bon, donc tu dois faire attention, tu ne touches pas la pelle tant que tu n'as pas commencé à faire la Netilat Edaim. Et sache que la Marta, la pelle, est posée, Bamiktsoa, sur le côté, Ben Akevesh, entre la rampe, la Misbeach, entre la rampe et le Misbeach, sur le côté ouest du Kevesh de la rampe. Et on explique un petit peu tout ce qu'on a lu. Peut-être que non. Peut-être qu'on continue encore une petite phrase. Allez. En Adam Nichnasimo, il n'y a personne qui va avec lui. Velo ner beyado, il ne prenait même pas une torche avec lui. Et la mehalech le ora maharacha, mais il marchait à la lueur de la maharacha du feu qui brûlait sur le Mizbeach. L'Oayuroinoto, on ne le voyait pas. Velo Shomin et Kolo, on ne voyait pas ce qu'il faisait. Ad, chez Shomin, Kol Haetz, Shasa, Ben Katin, Mouchni, Lakior. Jusqu'à ce que l'on entendait le Kol Haetz, le bruit du bois qu'il a fait, Ben Katin, qui avait un Kohen Gadol qui s'appelait Boukatin, Ben Katin, il avait fait un Mouchni, Lakior. Alors là, comment ça se traduit, je ne sais pas, il avait fait une poulie. Une sorte de rouage pour le kior, donc le ustensile où est-ce qu'on se lavait les mains. Ven omrim igia et. Et une fois qu'on entendait ce bruit, les kohanim qui étaient restés à leur place disaient igia et. Donc on reprend un petit peu tout ce qu'on a lu, c'est pas compliqué. Avant, grande règle, toute avoda que l'on fait au Beth Amikdash, n'importe quel kohen qui va entrer dans la Hazara pour une avoda, doit nécessairement faire la. Comme on fait nous de la Netilat Yadaïm, lui il faisait la Netilat
Il y a Daim de Raglaim, il savait les mains et les pieds, il y a toute une technique, mettre les mains, la main sur le pied, et on verse l'un, puis après on verse sur l'autre. Ça, ça se trouvait ici à cet endroit-là, vous voyez, on voit à Kior, il y a écrit, à Kior, regardez dans votre brochure, et vous avez même, plus dans les détails, on a un dessin parfait qui, ils l'ont bien illustré, ils ont fait un super travail dans cette brochure, regardez, on le voit ici. Là, c'est un angle de vue en fait, c'est quelqu'un qui a pris une photo au Beth Amikdash, il s'est mis ici, et il a pris en photo, on voit ici les escaliers qui descendent du Oulam, on voit le coin du Misbéach, plus ou moins, hein. Il y avait aussi le Kior qui était là, avec donc la fameuse poulie, qui était avec laquelle on faisait monter et redescendre le seau du puits. C'est-à-dire, en fait, il fallait se laver les mains. Pour se laver les mains, alors il fallait une eau qui a été puisée depuis le jour. On a une grande règle, c'est d'ailleurs un principe qui apparaît beaucoup dans cette Mishnah, entre les lignes, que tout comme nous, on a une impureté la nuit, sur les mains, quand on se lève le matin, on s'en fait Netilat Yadayim parce qu'il est le lever du jour. Même celui qui a veillé, il doit quand même faire Netilat Yadayim, même s'il ne fait pas de bracha. Mais en tout cas, donc il y a une impureté. Eh bien, selon la même idée, ce n'est pas une question de pureté et d'impureté, mais c'est malgré tout selon la même idée, l'ina poselet bekochim, même un kohen qui est resté réveillé toute la nuit, pour pouvoir faire la voda au petit matin, il doit se laver les mains. Selon le même principe, il y a l'ina, quelque chose qui a passé la nuit dans de la viande du Beth Amikdash. Dans toutes sortes de choses du Beth Amikdash, ça va invalider. Eh bien, même principe aussi avec l'eau. Il y avait initialement, dans Ve'asita Kior Nechoshet, il y a marqué dans la Torah, qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de faire aussi un Kior pour se laver les mains. Le Kior, c'est ce qu'on voit dans le dessin, ouais, chez moi, c'est correspondant à la page 7. Donc, le Kior, on le voit dans ce dessin ici. C'était un gros truc en cuivre, où on remplissait de l'eau, et puis il y avait des robinets pour pouvoir ouvrir et se verser les mains à partir du Kior. Maintenant, il y a un problème, c'est que lorsqu'on a rempli l'eau dans le Kior, si toutefois il restait de l'eau dans le Kior, alors elle va être invalidée au petit matin. De ce fait, il y avait Ben Katin, qui était un Kohen Gadol, il a instauré donc ce système de poulie, en fait, où on levait le Kior et on le faisait rentrer dans le puits, de manière à ce qu'il va toucher le puits, il va arriver jusqu'en bas, et comme ça, il ne va pas être invalidé au petit matin. D'accord? Ça, c'était pour le principe d'abord qu'on a vu à la fin. Donc, je reprends. Le but, c'est de monter ici pour ramasser les cendres, comme ça va être la deuxième partie de la Mishnah. Avant de ramasser les cendres, il faut bien évidemment monter avec la pelle. La pelle, elle était posée ici. Plus précisément, elle était apparemment dans les dessins, ils la mettent ici. Si on n'oublie pas les directions. On va vers l'ouest, là c'est l'est, là c'est le nord, là c'est le sud. Donc, la pelle, elle était entreposée par terre. Avant de toucher la pelle, avant de ramasser la pelle, il n'y avait pas d'interdit de la toucher, mais il y a un interdit de faire une avoda si le Kohen ne se lave pas les mains. Donc auparavant, il faisait un petit tour au Kior, il faisait son ablution. Et après, il passait à ramasser la pelle, et puis après, il montait sur le Kevesh. Maintenant, vous vous rappelez, on avait dit que tous les Kohanim sont en ce moment dans le Mishkat HaChavitin. Il y a une grande règle. On ne rentre pas pour rien. Comme on ne rentre pas dans une synagogue pour rien, ouais. On rentre que pour y étudier, que pour y prier, mais pas, sûrement pas pour y parler. Il y a tout à la route qu'on a d'ailleurs récemment appris dans le 5 minutes éternelles. Tout ça, c'est du lieu du Beth Amikdash. Et selon le même principe, on ne rentre pas au Beth Amikdash pour rien. Et même qu'on est déjà dans l'enceinte, on ne va pas dans cet endroit-là pour rien, entre le Echal et le Misbeach. On va que si on a une avoda à faire. Donc de ce fait, le Kohen, maintenant, c'était lui tout seul qui partait. Or, il faisait encore nuit. Mais il ne pouvait pas prendre de torche. Le Tiferet Israël explique qu'il ne prenait pas de torche, parce que qu'est-ce qu'il va faire ensuite pour pouvoir se laver les mains? On lui a la mettre, il va la poser par terre, c'est quoi? C'est pas techniquement pourquoi pas, vous allez me dire, mais en tout cas, il n'y avait pas d'option pareille. De ce fait, il partait sans prendre la torche dans la main, il partait tout seul. Il part tout seul, du coup, on craint que peut-être il va s'oublier, il va oublier de se laver les mains. Donc on lui dit attention, attention, tu es obligé de te laver les mains, on le met bien en garde. Il n'y a personne qui va pouvoir le rappeler parce qu'il va partir tout seul. Parce qu'il va partir, donc il n'a pas de torche pour voir. Mais il y a quand même le feu qui continue à brûler sur la maracha, donc ça fait quand même de la lumière. Il va venir, il se lave les mains, il ramasse la marta et il monte. Ok? On refait ça, tout ça dans les mots. Donc, Mishé Sacha, les trois mettent à Misbéach. Celui qui a gagné le droit de lever le Misbéach, de lever la tourmata des chaînes. Donc, c'est lui qui va partir le lever. Mais on le met auparavant, on le met en garde en lui disant Isaer, Shamatiga, Bikli, fais attention à ne pas toucher le cli jusqu'à que tu vas te faire la Netilat
tu vas te sanctifier, c'est pareil, on ne parle pas de Netilat Yadayim, jusqu'à que tu vas te sanctifier les mains et les pieds du Kihor. D'accord? L'arrêt à Martaï, on lui indique les choses. Peut-être que c'est un Kohen, que c'est la première fois qu'il travaille, donc il vaut mieux te le préciser. Varé à Martha Netuna Bamiktsoa. Et voilà que la Martha, elle se trouve sur le côté entre le Kevesh et le Misbéach, ouais, dans cette partie-là, plus précisément ici. Et la Mishnah nous dit qu'il n'y avait personne qui entrait avec lui. En Adam Nirnasimo, Veloner Beyado, il n'avait même pas une torche dans les mains, ni rien, mais il partait. Les Or Amaracha à la lueur de la Maracha. La Maracha, c'est le feu qui brûlait, le feu essentiel qui brûlait sur le Misbéach. L'Oayuro Inoto, on ne pouvait pas le voir. Pourquoi on ne le voyait pas? C'est très simple. Parce que tous les Kohanim étaient là, ils ne rentraient pas pour rien. Donc de ce fait, une fois qu'il va arriver ici, on va arrêter de le voir. On va le perdre à l'horizon, quoi. Ça va être caché, il va être caché par le Kevesh. N'oubliez pas que le Kevesh, le Misbéach est monté jusqu'à 10 amot, 5 mètres. Pour une longueur de 32 amas, 16 mètres. Donc imaginez la pente, très rapidement, il passait derrière, c'est un petit immeuble de presque 3 étages, quoi. Ça fait, ouais, ça fait pas ça. Un immeuble de 3 étages, c'est la taille du Misbéach. Mettez une grande rampe de 32 amas, imaginez quelqu'un qui va partir derrière, on va vite arrêter de le voir. D'accord? Donc on ne pouvait pas le voir, et dès qu'il partait là, on ne l'entendait pas, c'est pas qu'il devait marcher, ne pas faire de bruit pendant qu'il marche. Concrètement, on ne l'entendait pas, mais jusqu'à qu'on entendait le bruit de la poulie qui va pour relever le Kior, là, ça y est, il a donné le coup d'envoi que ça y est, on va pouvoir nous aussi commencer à se laver les mains et les pieds. Ben Omri Migaet, tout le monde disait, ça y est, le moment est arrivé, on peut commencer à se sanctifier les mains. En tout cas, on revient sur le Kohen, la Mishnah continue à me dire, Kidesh Yadav Raglav Mina Kior, une fois qu'il s'est sanctifié les mains et les pieds, Natala Martat à Kesef, il relevait la pelle qui était en argent. Voilà les roches à Misbéach. Il montait sur la tête du Misbéach. Donc il ramasse la pelle qui est là. Hop, il commence à monter sur le Kevesh. Plutôt, il commence à monter. Normalement, tout celui qui monte, il monte sur le côté droit. Je pense que c'est la même règle, même lorsqu'il est tout seul. Donc il monte. Ouais, c'est explicite dans un secret humain. Il monte ici, donc sur le Kevesh, du côté droit. Et une fois qu'il arrive là, au Vechata, au Fina, voilà les roches à Misbéach. Donc il monte sur la tête du Misbéach, tout en haut, sur le toit du Misbéach. Ou finaïdak et agechalim eilach veilach, et il repoussait les gechalim, les charbons, le bois brûlé, quoi. Eh bien, il le repoussait eilach veilach, de ci et de là, vechata mina meukalot apnimiot. Il ramassait l'achtot, comme le gechoté, en Shabbat. Il va ramasser avec sa pelle des cendres qui étaient parmi celles qui étaient les mieux consumées. Des vraies cendres. Et ensuite, Veyarad, et il redescend. Donc il redescend. Ok? Toujours par la droite. Ensuite, une fois qu'il arrive en bas, il guia la Ritzpa, une fois qu'il est arrivé par terre, à Farpanav la Tsafon, il va devoir retourner sa tête vers le nord, c'est-à-dire il va se retourner dans cette direction. Ok? Il redescend ici, il va se tourner ici pour venir dans cette direction. En fait, le but, c'est d'arriver ici. Où il y a le Bet HaDeshen, où il va déposer les cendres par terre. Donc il y a la Ritzpa, Farpanav la Tsafon, il retournait sa face vers le nord, Halach le Mizracho shel Kevesh Ke'eser Amot, il marchait en longeant le Kevesh, la rampe du Misbéach, sur une distance de 10 amas, le destin n'est plus tellement proportionnel, puisque si ça fait 32 amas, ça fait l'équivalent du tiers, là où peut-être qu'il commence à dévier un peu, je ne sais pas, peut-être. Et ensuite, donc il y a la Ritzpa, Farpanav la Tsafon, Halach le Mizracho shel Kevesh Ke'eser Amot, il marchait une dizaine de Amot. Et alors quoi? Tsavar et agechalim al gabei haritzpa rachok mina kevesh shlosha tfachim. Et il commençait à empiler les restes de cendres, du charbon, des bandes de cendres, qui par terre, al gabei haritzpa par terre, rachok mina kevesh shlosha tfachim. Il fallait qu'il éloigne du kevesh de la rampe 3 tfachim. Pour quelle raison il explique que tu fais Israël? Le kevesh il était blanc, parce que le Misbéach, il blanchit les fautes du Hamisraël, donc il était blanc. On le repeignait deux fois par an, je crois. Et donc, maintenant, tu déposes des cendres, ça fait monter de la fumée, ça va le noircir. Donc, tu l'éloignes de au moins 3 tfachim. Et alors quoi? Makom, Shenotnin, au même endroit où Shenotnin, Mur'ot, Ha'of, Vedishun, Misbéach, Apnimi, Vamenoa. Au même endroit où on déposait 3 choses par terre. On déposait là-bas les Mur'ot, Ha'of,
lorsqu'on faisait la Olat HaOf, alors il fallait retirer le Zefek, le gosier, et le. Il y en a d'autres qui n'ont pas le gosier, le. Ce qui joue le rôle du. Ce qui joue le rôle de l'estomac. J'ai déjà oublié le nom, c'est pas grave. On n'est plus dans Khoulim, donc mes listes de mots de français, on. Je les ai plus. Mais Dishoun, donc ils ont retiré là-bas le. Le. Ça m'échappe. C'est pas grave. Makom chez Notnin Mour Ota Of, donc l'endroit où on retirait les volailles de Olat HaOf pour pouvoir les faire, on les jetait intégralement sur le feu, on retirait juste cette partie de le jabot. Voilà. Et on retirait le jabot et il fallait le jeter par terre. Le Kohen Gadol, le Kohen qui faisait la Olat HaOf, il était en haut, il était plutôt dans ce coin ici, et il retirait le jabot, il le jetait par terre jusqu'à la 20, une petite dizaine de mètres comme ça, il le jetait et ça tombait par terre. Il y avait un miracle qui se passait, c'est que c'était directement absorbé par le sol. Ouais, c'était un des miracles. La Gemara dans Yomel raconte tout ça. Et aussi, au même endroit aussi, on déposait le Dishun Mizbeach HaPenimi. On apportait aussi les restes des cendres du Mizbeach HaPenimi que cette fois-ci il faut rentrer dans le Echal. Il y avait là-bas le Mizbeach HaPenimi qui est là. Il fallait aussi, il y avait une avodot, c'était le Dishun Mizbeach HaPenimi de ramasser les cendres du Mizbeach HaPenimi, de les sortir et d'aller les mettre ici. Elles étaient aussi absorbées, avalées par le sol. Et aussi le Dishun. Menorah, aussi le dishoun de la menorah, les restes de la menorah qui brûlaient, les petits lots, les mèches qui étaient restées, il fallait les prendre aussi, les amener, les poser par terre, et de nouveau elles étaient absorbées par terre, tandis que les cendres du Trumat HaDeshen, c'est une marloquette, il y a un nom, Tosot Yom Tov, qui rapporte en fait un Tosot, qui a un doute, est-ce que c'était absorbé ou est-ce que ça, non, ça restait quand même par terre. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.